Au nom du comité d'organisation du 37e tournoi international de la ville de Montaix, je vous souhaite la plus cordiale des bienvenues ici à Montaix. J'ai le plaisir maintenant, en tant que nouveau président, d'ouvrir officiellement le 37e tournoi international de football de la ville de Montaix. Donc nous avons le CF Valencia, nous avons l'Olympique de Marseille, qui est présenté par Richard Metz. C'est Diego Verona, ici, la première phase de souvent. Nous avons donc du Portugal, le Sporting Club de Braga. Pour la Turquie, nous avons le Galatasaray, Sporting Club. Pour l'Allemagne, l'Eintracht de Francfort, le Torrent, toujours. Nos représentants suisses, qui sont le FC Sion. Et le FC Montaix, sur ma gauche, sur votre droite. Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue à Montaix. Vite de football pendant 5 jours et surtout bon coup de fer autour du stade. Merci et bon apéritif. On attend de très beaux matchs de football, des matchs dans un état d'esprit sain, avec beaucoup de fair play. Et puis qu'importe finalement le vainqueur à la fin, on espère que le fair play sortira vainqueur de ce tournoi. Maintenant, nous nous trouvons à la placette Manon à Montaix, où cela fait plusieurs années que l'on organise un stand d'information pour annoncer le tournoi international de football de Montaix. Nous incitons aussi les gens qui viennent nous voir sur place à participer, à venir pendant le tournoi, voir les jeunes joueurs, et c'est certainement là qu'ils verront les futures vedettes de demain. C'est un grand plaisir ce soir encore de voir toutes ces personnes au Glarier, derrière tous ces jeunes, parce que je vous rappelle quand même que le tournoi de Montaix, dans ces dernières années, il y a de nombreux internationaux de tous les pays qui ont été au tournoi de Montaix. Et je crois que c'est un des tournois les plus importants en Europe au niveau de cette classe d'âge. Je suis Riz, je suis junior de Bramois. Je suis ramasseur de balles pour le tournoi international. Pour les spectateurs et également surtout pour les jeunes, c'est un événement très important dans un début de carrière qui peut être prometteur pour pas mal de joueurs qui sont ici aujourd'hui. Qui ne se connaît pas marseillais ? Vous êtes ici dans la salle du château de Montaix où nous sommes accueillis par la ville qui nous offre l'apéritif. C'est la réception officielle qui sera suivie par le repas de gala au théâtre du Crocheton aujourd'hui, où tous les représentants de délégations, les autorités diplomatiques, politiques et sportives sont réunis ici. Je vous souhaite alors une bonne santé à tout le monde, à tous les participants, et bienvenue à Montaix. Puis je suis en tant qu'invité du FC Montaix présent ici. J'ai eu l'honneur de donner le coup d'envoi de cette finale avec Yvan Quentin. J'espère que maintenant on va avoir un bon match pour finir ce magnifique tournoi. Un joueur turc à l'orée des 16 mètres hérite du ballon et d'un maître tir bat le gardien et c'est l'ouverture du score et c'est le 1-0. Vainqueur de ce 37e tournoi international de Montaix pour sa première participation, l'Eintracht de Francfort. Hallo, mein Name ist Pablo Alvarez, ich bin Torhüter von Eintracht Frankfurt. On vient de gagner le tournoi au penalty. C'est probablement le meilleur tournoi que j'ai pu faire avec mon équipe. Ici, tout a été parfait, l'organisation a été très bonne et les terrains en excellent état. Ich bin sehr glücklich geworden zu haben. Je souhaite alors une bonne santé. Toujours du plaisir de voir ce match.